Christian Jacob Kabamba. Et l'Omaki les Seigneurs a confié la mission de réveiller les héros en référence des Joël 3:9 qui stipule ce qui suit. Publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Les nouveaux sons, c'est les nouveaux messages que le prophète Christian Jacob Kabamba, prophète des nations, apporte parmi les nations, ici à Likasi. Il apporte également ces mêmes messages dans les grands Katanga en RDC et aussi dans le monde. Ces nouveaux sons qu'on n'avait jamais entendus, les personnes donc ne pouvaient jamais nous présenter ces messages du soir. Le prophète Christian Jacob Kabamba est le porteur de ces messages parce qu'il est le prophète selon Joël 3:9. Publier ces choses parmi les nations, réveiller les héros, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet espace héros. Une tranche spéciale pour l'église évangélique Réveiller les héros. Une tranche où nous vous donnons le programme des cultes à l'église évangélique Réveiller les héros. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai l'honneur d'être accompagné pour vous par l'apôtre Bigas, lui est chargé de visibilité des actions du prophète Christian Jacob Kabamba, homme de Dieu. Bienvenue dans cette émission. Merci Ben Bopé, l'attaché de presse, la bouche autorisée du prophète. Mais nous disons aussi également merci au prophète des nations pour cette parole, un son nouveau, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'équilibre. La délivrance pour la vie d'Elikasi était au rendez-vous ce soir. Il fallait donc ce son à Likasi, mesdames et messieurs. Il fallait donc que ce son soit amené à Likasi pour que le prophète Christian Jacob Kabamba ramène cette parole qui était encore perdue à Likasi. Heureusement, il est venu à Likasi parce que après rupture de tout ce qu'on a connu comme serviteur, des grands, ça signifie Paul, les types de choix, tous ces grands serviteurs qu'on avait connu dans le monde et ils sont partis. Voilà, Dieu a réveillé un homme. Apôtre Bigas, le prophète Christian, le prophète de l'air, le prophète du temps. Et aujourd'hui, il donne ces messages qu'on n'avait jamais connus. Et quand nous suivons les messages du prophète Christian, vous allez comprendre que c'est comme s'il est le Paul Bis. Paul Bis, vous n'avez pas tapé à côté. Pourquoi pas Branham Bis, c'est un serviteur de Dieu avec beaucoup de qualités, oui. À qui Dieu utilise puissamment. Nous ne pouvons pas regretter du fait que les Paul n'existent pas, du fait que les apôtres qui sont déjà morts, non seulement qu'il est Paul Bis, mais la capacité de transmettre le message, en quelque sorte. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous allons partir en image. On prend cet élément. Johnny nous l'a tenké sa kitchwa. Pourquoi qu'on a tenké sa kitchwa? On prend cet élément et on se retrouve juste après. Fungla mencho, fata film. Dans la vie, papa. Dans la vie, homme de Dieu. Sauve. Dans la vie. Dada. Yes, sir. Tu n'as connu nani, ouais. Prophétise, homme de Dieu. Nathalie. Nathalie, nani? Yabassé. Yabassé. Kouye ne connaissez que le Yabassé na tokea. Kouye. Oh! Hey. Pro. Prophétise, homme de Dieu. Chimamap. Yes, sir. Alors, c'est manchina keni nani? Yabassé. Yabassé. Unyangarioko. Prophétise, homme de Dieu. Prophétise, homme de Dieu. God, dis pas. Laissez la place. Prophétise, homme de Dieu. Écoutez. Mam. Achakuribam. Kamani bato toi ke moitié bato toi ke bakoui. Allez, bato toi. Prophétise, homme de Dieu. Dans la vie, papa. Est-ce qu'il y a un bato toi? Bato toi, angu papa. Bote. Bote trois. Bote trois. Yabase. Prophétise, homme de Dieu, dans la vie, papa. Perturbation du papa. Prophétise, homme de Dieu. Ah. Léo,
Mungu ashitachia ba adu yako ata espace. Amen, je reçois. Yes. Prophétise, homme de Dieu. Chikia, unona uyu mutoto ko muntumbo. Prophétise, homme de Dieu. Minona mukono moyi kuna muvinya. Prophétise, homme de Dieu. Leta bushima baba. Mungu anasema unaria sana. Leta bushima baba. Prophétise, homme de Dieu. Mina kona. Prophétise, homme de Dieu. Unazala batoto 6. Prophétise, homme de Dieu. Ba 3 banakokufa. Prophétise, homme de Dieu. Unabaki hapa na ba 3. Prophétise, homme de Dieu. Kwenu na wewe. Bali mizalaka ba 6. Prophétise, homme de Dieu. Na ba 3 banafanya nini? Banakufa. Prophétise, homme de Dieu, ni bien. Shikeni koneshi. Oh, prophétise, homme de Dieu. Mungu anasema hivi. Prophète, il y a basse, Léo m'y délivré. Prophète, homme de Dieu, l'état bouché. Mina kona. Tena batoto bote unabala kufuaka miezi na miaka kufatana. Prophétise, homme de Dieu. Mina na mtoto wa kwanza. Prophétise, homme de Dieu. Anakufwa na une année na 7 mois. Prophétise, homme de Dieu, mungu wa uba hapa chia onaka. Mtoto wa pili. Anakufa na une année na 9 mois. Prophétise, homme de Dieu. Mutoto atato nakufa ka bébé. Prophétise, homme de Dieu. Imi mboko nayo. Prophétise, homme. Ya basi. Prophétise. Ashoko nyolosha tena mukono. Prophétise, homme. Mungu anasema hivi. Kile kinaanza kuwa maisha yako leo. Hapa tunasumburia. Menasi isha kwanza. Prophétise. Wanako unachunga tu kama huyu anapima kufwa. Mkweli munaisha. Prophétise, homme de Dieu. Na arikonesha. Arikonesha. Unifuate mzuri. Unifuate mzuri. Mungu anasema hivi. Prophète, regarde. Mina kona wakati mama kwa kuzala. Prophétise, homme de Dieu. Ulikuwa na 4 mois. Prophétise, homme de Dieu. Croissance yako ilikuwa mubaya. Prophétise. Kichwa chako shingo ilikuwa ngambo moya. Prophétise. Mamako bana mwingiriria. Prophétise. Kuku sanga jako. Prophétise. Uyi sanga jako njina yake ni yabase. Prophétise, homme de Dieu. Anesha kufuaka. Prophétise, homme de Dieu. Unifuate mzuri. Mamako analala. Ule sangaji. Save la riacha semansi ya buloji. Prophétise, homme de Dieu. Anakuwa kumulotesha mamako. Prophétise, homme de Dieu. Asema mumushanje njina. Prophétise, homme de Dieu. Mumukabure njina ya yabase. Prophétise, tulizana. Minuna hii yabase. Ainele njina ilikuwa kusertifika de naissance. Prophétise. Njina ya yabase. Bala kukabure. Bala nakuwa na 4 mois de naissance. Prophétise, homme de Dieu. Mungu anasema. Wakati maneka njina. Ile mpepo ili kontrole mamako ku maternité yake ya kufusha batoto sangaja anaeka mwako. Prophétise, homme de Dieu. A partir ya leo mi prophète de nation. Amen, nasema auna tena ya basse. Amen, je reçois. Mi nasema auna ya basse. Amen, je reçois. Unakuya Nathalie fille de Jésus Christ. Amen, je reçois. Na niku nasema huyu mtoto kwa mtumbo. Amen, je reçois. Mimi naingisha mabushima. Amen, je reçois. Hii mkono kuna étrangler huyu mtoto. Amen, je reçois. Mimi naikata. Amen, je reçois. Na mimi naitosha mtumbo ya. Amen, je reçois. Huyu mtoto akomeye. Yes. Azarikwe mzuri. Amen, je reçois. Na hapa mtoto pashikufa tamoya. Amen, je reçois. Papa. Leta mushima baba Mungu au baba shia monaka. Écoutez. Yes. Écoutez. Ninangaika sana. Ikala kimya. Leta mushima baba. Mimi nasema hapa sasa. Amen. Ile mkono yote. Yes sir. Inachezea kama maisha yako. Amen, je reçois. Ile mkono iko à la base. Amen, je reçois. Ya souffrance ya maisha yako. Amen, je reçois. Kata ile mkono na usimamishe mateso. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre le prophète des nations qui est dans sa mission. C'est comme Ésaïe 61, premier verset jusqu'au deuxième verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé d'abord pour guérir, pour délivrer, pour rendre libre les prisonniers, pour. Dieu envoie le prophète chrétien Jacob Kabamba pour ce genre de cas. Chikia prophète anasema je. Asema banasema bwana bwana la décision. Asema imimbo kizale tena mtoto anakufa ni kusema bukweli bunafanya nini bunaishi. Et le prophète doit donner d'abord l'origine. Il y a une origine qu'on a eu.
yabase. Il est dit non qu'on a eu bana. Ça moi il va t'avoir tout à l'heure que chacun a mon nyumba. Vous ne connaissez pas pourquoi. Madame Patan dit nasema yabase. Et le prophète qui n'était pas là le jour où cette maman ou cette sœur, le prophète des nations, chrétien Jacob Kabamba, pendant la coutane n'a eu d'Adam. Vous savez, les Paul sont morts. Mais le Paul bus est revenu. Les pierres ne sont plus là. Mais mambo, chez moi, tu n'as rien. Où est d'Adam qu'on a moutote et comme un tombo, moutote et qu'on a mimba, mais yabase qu'on a fanini et qu'on a vigne à une moutote. Cet enfant devrait mourir. Ou moutote et fanini a couffé pour que. Dada potier, voilà comment est-ce que le diable est en train de travailler. Maintenant, Dada ou Bandouk, mon missile est tellement bas de la mingi, bien le caral ou inje, bien le caral ou nani mon missile. Cette soeur était à l'extérieur. Le prophète était obligé de sortir. Anatoka ou inje, anamukuta ou Dada. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais pas. Mais quand on prend d'abord la dimension de cette prophétie, réellement nous comprendrons que Esaïe 61 vient de s'accomplir où? Ici à Likasi, avec le prophète chrétien Jacob Kabamba, prophète des nations, pas un prophète des réunions, non, pas un prophète d'un petit groupe. Il est pour Likasi, pour les Katanga, pour les RDC, pour les nations. Le prophète chrétien Jacob Kabamba, apôtre Bigas, on n'avait jamais connu, même si on parle de ses confrères, le Renard Bonke. Renard Bonke qu'on se dise de vérité apôtre Bigas Renard Bonke aranzo fanya ni miujiza ya mingi Mungu aranzo musai Mungu aranzo arukumpatia le nema ya kutenda miujiza mais Renard Bonke ne prophétise pas Asha tabira kata mani Peter Pretorius il prêchait bien on a vu les miracles ici à Likasi mais Peter Pretorius ne prophétisait pas ni ma miracle et puis kunesha nenda on ne veut même pas vérifier accomplissement après une semaine c'était quoi anakuya tu anenda. Paul ne prophétisait pas, mais Paul est oui. Mais le prophète chrétien lui vient, Dieu le dote. Donc il est devenu, de plus que même ses confrères, Peter Pretorius, quand on prend aussi Renard Bonke et les grands prophètes, par exemple John Wesley, quand on prend tous ces grands prophètes, ou bien les apôtres des nations comme Paul, et le prophète chrétien vient avec d'abord un nouveau son, deuxièmement le prophétique, et troisièmement. Ce sont les miracles que nous sommes en train de voir et réellement nous disons, c'est lui que la vie délicatie attendait, c'est lui que les nations attendaient. Apôtre Bigas, quand vous suivez cette prophétie, ça vous fait quoi en tant qu'humain et quelle est votre lecture et aussi surtout sur la personne du prophète chrétien Jacob Kabamba, le prophète en ligne avec le ciel. Merci Ben Bopé, la bouche autorisée du prophète et c'est une fierté. Vraiment d'abord pour nous c'est une fierté pour tout enfant de Dieu dans la vie d'Elikasi mais pour aussi tout celui qui s'appelle Congolais ce sont des cas très rares de croiser un serviteur à cette taille comme le prophète Christian Jacob Kabamba. Je voulais un peu revenir sur l'exemple tout à l'heure qu'il venait de donner dans sa prédication. Je crois que c'est une prédication qui a inspiré ou qui a aidé beaucoup de gens de partout qui nous ont suivis. Je crois demain, à ce que je sache, demain ça sera... Parce que les prédications du prophète Christian Jacob Kabamba, Maître Ben, créent toujours des discussions dans la vie d'Elikasi. Pas seulement ici à Likasi, même à Lubumbashi, nous le voyons. Même si tu suives sur le net. Oui, ce sont des discussions. Je sais que demain, nous serons exposés à beaucoup de questions. Et nous allons fournir un peu beaucoup d'efforts de répondre à certaines questions. Je vais revenir à son exemple qu'il a donné dans la prédication. Il dit, vous voyez, quand la dame, elle a maman, anabeba mafuta, njwa kukalanga Thompson. Souvent, mafuta ile moya moya bana kalangaka nayo Thompson aina mafuta moya moya tena bana preferaka kufanya nayo sauce depuis la maison vous êtes d'accord avec moi bata beba ile mafuta bali kalanga nayo Thompson bata y déplacer bata esi kuyeka ta munchupa parfois ta munchupa ile itezi kwa ta yanzamani c'est ce que ma femme fait à la maison oui oui bata beba ile munchupa mafuta ile inakuyaka surtout ta na kabouchi ana y réserver quand même. Anabeba mafuta ya sasa anayiramplase. Anafanya sauce. Oui, quand on a fait la sauce. C'est ça également ce qui se passe aussi avec Dieu. Dieu, à un moment, il conclut une alliance avec une génération. Il est génération et il tenda.
Quand vous faites partie de cette génération, vous verrez que c'est ça la finalité. Mutaona se kuneshi apa mungu njo apa. Mais quand cette génération passe, c'est pourquoi vous avez vu Dieu. Élie dans son ignorance et qu'on a bien mungu c'est Seigneur. Voici tous les prophètes banakufa bote bobale banenda kwa budu. Les dieux de Baal. Je suis resté seul. Mungu na mambia non, arrête de dire ça. Derrière toi, il y a encore 350 qui n'ont pas encore fléchi. 450 plutôt. 450, j'y arrive. D'Astrée, oui. Pendant que la génération là travaillait avec Dieu, Christian Jacob Kabambe était dans les maquis. Parce que Moïse, le peuple d'Israël était en captivité. Il ne pensait pas que Moïse devrait venir. Arkwa Mupori. David était dans la forêt pendant que Goliath, chaque jour, est dans la mouka. 40 jours, 40 nuits. Et dans la mouka, si vous donnez-moi un homme, je dois me battre avec un homme. Saoul était roi. Saoul Anashima Menangarev, il n'avait pas de solution. Mais Dieu était en train de travailler une personne qui était David. Quand David est arrivé, Bantouan a résisté. Mais comme David avait déjà l'expérience avec Dieu, alors chaque fois que Goliath asema, si là-bas dans la forêt, mina fungula ba nyama, mina qu'un simba, mina fungula, c'est le mato. Ba ours. C'est pourquoi vous avez vu cette génération est passée. Donc la génération de Saül, donc qui était roi, qui était un héros, mais qui a fini comme zéro. Si, et il a fallu que David revienne. Si, il a fallu que Kabamba revienne. S'il fallait qu'on puisse rester avec les Écritures, tu sais, mais pas qu'à Paul. Dieu dans sa divinité, il devrait dire bon. Tous les disciples sont déjà morts. Alors je peux arrêter des problèmes. Ces gens quand même vont avoir des kubirana comme ça, pas comme un bon qu'il n'y ait pas des aveugles, qu'il n'y ait pas de problèmes. Bah kubirana et tout, mais qu'ils m'attendent. Tu n'as pas les ngelenge les taria, bah les bantu bende kumbingo. Mais nous avons des problèmes. On constate que les mêmes problèmes qui existaient à l'époque de Paul, les mêmes problèmes sont jusqu'aujourd'hui. Dieu doit croiser les bras? Non. Il a dit je veux choisir quelqu'un. Et il a choisi un homme. Le prophète de l'âge. Pourquoi nous disons que c'est le prophète de l'âge? Certains posent des questions. Il a reçu quelle commission? Joël 3:9, trop clair. C'est un verset qui n'a jamais été exploité. Même quand je vous donne ma main à couper. Même quand nous prenons l'âge de l'Église, oui. Et nous comprendrons que c'était une époque passée pour une époque passée. Et, pour l'instant, c'est la nouvelle huile. Nous avons besoin de la nouvelle huile. Pourquoi nous disons que le prophète Christian Jacob Kabamba a amené un nouveau son? Ben, ce sont des cas très rares. Disons-nous des vérités. C'était d'abord des cas très rares ici au Katanga. Le Katanga, c'est parmi les provinces renommées dans notre pays. C'est une grande province productrice des prophètes, particulièrement la ville de Likasi, par sa position géographique où il y a des montagnes. Vrai ou faux? C'est vrai. Vrai. Mais quand vous prenez le prophète qui naissait à ce temps, le prophète à qui Likasi donnait naissance, c'était un prophète du genre où quand il arrive, mon empathie Bible, il essaie de crier, analalamika, et les gens n'avaient pas besoin. Mais quand il prend le micro pour prophétiser, c'était une bonne prophétie. C'était une bonne prophétie. Mais qui souffrait d'accomplissement. Ici à Likasi. Ici, nous sommes. C'est ce qu'on a connu. Non, nous sommes au Katanga. Nous sommes au Katanga tous, nous sommes nés ici au Katanga. Nous avons grandi ici au Katanga. Et nous devons nous dire certaines vérités. Qui souffrait évidemment d'accomplissement, même la révélation des Écritures. D'ailleurs, même quand on pouvait. Soit on pouvait trouver un prédicateur. Oui, on pouvait trouver qui est fort un prédicateur dans des révélations. Dans des révélations. Mais aveugle. Aveugle, et on pouvait accompagner. Il ne sait pas voir même une souris. On pouvait couvrir cette faiblesse par un prophète. Et ce prophète. Visiteur qui avait aussi d'insuffisance au niveau de la révélation des Écritures. Donc il fallait coupler ces deux places. Ces couplages pouvaient maintenant donner valeur à une manifestation. Ça peut être un symposium, une croisade, une conférence, et voir des marathons. Et cela pouvait permettre peut-être qu'on puisse réunir même 200 personnes. Comme et ça. Oui, cela évidemment participer à la réussite de manifestations dans la province. Mais Dieu a dit non, je dois envoyer quelqu'un. Guichet unique. Je dois envoyer quelqu'un. Pas de mélange. Avec une mission. Spéciale. Avec un ordre de mission.
C'est pourquoi vous l'avez vu, il a lu. Le prophète Christian Jacob Kabamba prend son temps de parler avec Dieu. Ben, quand vous avez conclu l'alliance avec Dieu, Dieu devient votre ami, vous devez discuter avec lui. C'est pourquoi Christ dit à ses disciples que je ne vous appellerai plus mes disciples, mais nous devenons des amis. Quand est-ce qu'on devient ami? C'est lorsqu'on a la capacité. Mungu, iki kipofu apakama utende ababantu ap. Muyimi i croisade mina organisé parce que nous étions pendant 21 jours. Anambia Mungu kama tu autende iki kipofu huyu mtu apamper sio yasha kushimama hapa. Mungu kama afanye ku mambo. Ah ah, mishiwe vile bitakui. Dieu dit quoi? Bon, Christian, mission fan away alliance, je suis obligé de me franchir. Malgré, ou le papa est dans le chemin, mais j'ai mal pratiqué la parole de Dieu. Et le prophète dit, tes péchés sont pardonnés. Mais les gens nous ont dit que le prophète lui était qui pour commencer à pardonner les péchés des gens. Quand on conclut une alliance avec Dieu, Dieu devient faible devant les serviteurs avec qui il a conclu son alliance. Il devient faible. Qu'est-ce que vous voyez? Le prophète dit, maman, allez, donnez-moi votre béquille. Anabeba béquille. Maman, nende, arikwa ye mwenye bwana ki anakoui. On est passé béquille. C'est comme aussi quand il dit, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Et demi, sinon à ma parole. Dieu dit à l'ange, on bloque la pluie. Il a déjà parlé. Au lieu qu'il dit sinon à la parole de Dieu, mais il dit sinon à ma parole. Dieu est faible. Là, c'est le niveau de degré d'alliance. Dieu devient faible quand vous avez conclu une alliance véritable avec son serviteur. Il devient faible quand il accompagne son serviteur. Revenons avec la puissance. Sur Yabassé. Vous prenez la prophétie de Yabassé. Pas trop d'agitation. Nous sommes toujours dans cette analyse. Je disais que Dieu, il fallait qu'il se choisisse un homme. Le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba. Prophète original. Prophète original, aigle blanc. Il fallait qu'il puisse choisir un homme. C'est vrai, on a dit que nous avons ri, on a dit que nous avons dit Nigeria, nous avons dit Aïcha, nous avons dit mais oui, il est Aïcha ou qu'on a eu. Ah, je crie à ta Aïcha ou Bouluma, tu trouves que c'est normal, il est Aïcha ou qu'on a eu. Mungu anasema non, non. Si je donne seulement à Christian la prophétie seulement, je ne dois pas résoudre les problèmes des Congolais. Il fallait que cet homme, je lui ajoute la capacité de la révélation des Écritures. C'est pourquoi quand il commence à prêcher, vous avez du mal. Quand on a tout pressé, ou t'asema, ah, je suis allé, je pensais que c'était un prophète. Mais j'ai croisé que c'était un homme, qu'un grand prédicateur. Il fallait lui donner du temps. Donc, quand il a servi silence, il a donné à son serviteur la révélation parfaite de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'orateurs, Alikasi, nous restons, tout n'a fait, tout n'a indiqué. Et quelque part, et ça nous permet, vous savez que. Ça nous permet, si on vous invite, quand même, ça fait la fierté. À partir de la prédication du prophète Christian, on peut prendre. Ben, cas, on ne s'arrête pas là. Le prophète a des déclarations. Très rare que le prophète réalise un miracle en imposant des mains. Très rare. Il ne touche pas. Souvent, ce sont que des déclarations. Ce ne sont pas des bousculades. Pas des miracles mécaniques. Non, pas des miracles mécaniques. Des choses sont automatiques. C'est pourquoi j'ai parlé de l'alliance. Vous prenez Yabassé. Vraiment, pas d'agitation, pas d'embrouillement. D'abord, on n'a pas besoin d'un sujet de prédication qui crée une zizanie, un trouble, la peur au sein de la population. Qui là, c'est un culte à Lubumbashi. À Lubumbashi, les gens sont dehors. On nous a fait voir que à Lubumbashi, le prophète n'était pas aussi peut-être populaire comme Alikasi. On a raison quand on a la connaissance générale sur le prophète. Et quand même, on a pris les images de la croisade, et quand on voit, ça, c'est un culte normal, et aussi en semaine. En semaine, c'est un certain vendredi. Où les gens sont à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, avec cette sœur Yabassé. Apôtre Bigas, merci beaucoup pour cette analyse aussi trop spirituelle par rapport au nouveau son que la ville avait manqué. La vie d'Elikassi avait manqué, les Katanga n'avaient pas, et aussi la province, plutôt la RDC, et aussi le monde. Le prophète a déclaré sur cette dame que vous êtes en train de voir, et qu'on a nini, et qu'on a mimba, et qu'on a buzito. Mutoto na kamuna kwa nani kwa Yabassé nenji na pokiaka. Il fallait mutoto na kufi. Na kwa hôpital, wakashwa déclaré, vous aviez suivi la prophétie vous-même. Et quand cette sœur
en écoutant le prophète. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le prophète a déclaré à Sema, Nabucodonosor poussa, tu dois mettre normalement au monde et parmi tes enfants, Akuna ou la tafanini, Atakufa. Et c'est ça un homme de Dieu et un vrai prophète, pour bien un thermomètre pour le prophète. Nibila Nasema Bifanchik. Quand on a un prophète, on a prophétisé, on a mouté à Makout et puis après on est dans ce chunga chunga, habitimisé, ça va ni péché. Non, il y a des degrés d'alliance avec un serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a déclaré? En tout cas, Dieu est obligé, n'est-ce pas, d'être derrière ses paroles pour les accomplir. Nous avons vu Yabassé. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Yabassé après cette déclaration? Je crois que dimanche, Banamou qui est beau, tu es bien qu'on a marité il y a un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, presque à terme, premier trimestre, deuxième trimestre. Et aussi en plus, on a zalaga surtout par césarienne. Ou qu'on a moutotoako, on a zalaga par césarienne. Ni mimba kwanza, il a ma difficulté à mingisan. Mou famille, ou qu'on moutoko na mimba, on a ta peut-être moulikasi, attaque koloezi, attaque kolumbashi, attaque kasai, attaque kinshasa, ba Congo, nord Kivu, sud Kivu, partout mou RDC, ou soit inja RDC. Ou qu'on a ndukoko eko malari, plutôt eko na mimba. Le prophète des nations, c'est ma dimanche, banamou kebote eko na marita, le prophète doit également déclarer pour que cette soeur puisse mettre au monde. Que ou yuda d'abandouk arizala à jugozali timonames. On va partir en image avec notre frère et je vous retrouve juste après. Suivons ça. Alléluia, Kanisa. Amen. Mina kwa kushukuru Mungu wa ubaba ni wa matata sana. Amen. Mina waza mwe bote banduku yangu mrinyonaka wakati profeta rinyonaka. Avant prophète Ashianyona, minonona na prophète Moïse. Mambo arinyambiaka ni paka moya moya, prophète na ye arisemaka. Merifika wakati ya kuzala mtoto anenesha nef mwa, njua zarikwe, mtoto ashizarikwe. Wakati prophetizaka bana kwambia sima kuya kumaombi ya jeudi ni ya lazima sana. Mishi kwanze kuya, ikifika jeudi transport mina pusa njuni kuye. Me vendredi miterikaza mina kuya. Nef mwa mtoto azarikwa shizarikwe. Vita ikwa shie pale. Mina fika muti mwa. Mina nzakuria Mungu wa prophet. Unyoneko. Bantu bote wanazala. Mtoto ashakuivya ni nini? Mesa vile shikuku yake kumaombi ya jeudi njuu ya deliverance bafukushe ile mpepo. Nikamona profeti kubushingishi na mikro yake. Anaingia mnyumba yangu. Ananifaa deliverance anatosha ile mwanamke mwebote. Mimi najua sema mlichikiaka vile profeti alisemaka. Ule mwanamke aranza kunyuia watoto ndani ya mtumbo. Anamtosha na mweka pembeni. Mwanamke anaanza kudeklara sashita toka mipaka niko naye. Profeta anasema na kufua nini unifuate mie umwache ye. Profeta anatoka na ule mwanamke inje anenda naye na mpango ya pili mimi nabakia munyumba. Ti douleur parce que subu mimi nashituka douleur inaanza. Douleur kuna uma mtumbo me huku chini mazazi yangu wenyewe mnajua njia ifunguke. Nikaanza kwamba Mungu wa profeti, Mungu wa profeti ushinisabwe, Mungu wa profeti. Wakati hata huku munyumba ushisabwe kumuita Mungu wa profeti anashuka. Yes. Nikafika timi nasema mimi nachoka mimi naenda kwa hospitali. Na d'expliquer bana sema hapana c'est pas possible. Bana nyeka kipompa kile mnajua kia provocation. Ni kaloko. Mimi bana nyeka kia kinene mishi zale. Miri sabwaka order sio miri kuyaka hapa usubuhi. Ni kuna kwa la mikulu transport nyeshina. Mimi nafika hapa Mungu wa ubaba. Mimi nafika na muona doctor. Mimi na se doctor munyombe eko. Ni kuna shika vya kuzala. Mesa vile walikuwa wenye kushimama shikupende ni b'expliquer bana nyombea. Baba yenyewe mimi nawaambia semunyujie ko odonction bana nyujia. Mimi natoka nao mimi nakunya mbele kipande mimi ndanaona kumulangu. Tuleri na kankamana. Me huku chini haifike. Mimi natoka mimi naenda kwa hospitali. Nafika kwa hospitali baneka kipompa. Wapi? Mimi nalala. Après busubui katotongu kaonza. Muimagine ile miaka. Kana bamba maya se mama risabu odonction. Kana kwa na hospital. Anafika noliza. Mina mutafuta mama Natalie fille de Jésus Christ. Bana sa tuta kuingisha. Asema sa vila mutaningisha mubebe kotu mai mumupe. Odonction. Bana nikabria odonction paka pale tune nansa. Mina sema Mungu wa uwaba ni wa matata. Yeah. Mina enda nae
mutoilette wakati kuna usa hiyo donkswa muimani yako fanya vile kuna imani mina ripompa mutoto yao ya nashuka mina kalaba mina ndanawe patekini mina ita benfirmia muku wapi banasema chaku tuteswa wea una wakuzala psas muku ya dar eko na fika mana mwana pokele mutoto na toka na kupitia miracle Yes. Banaenda kunyekea mutoto. Mina mwangaria mutoto na seni mushima hao. Puna katika mutoto mushima. Miracle. Mina toka kumulango. Hey. Mina fika kumulango shikukwe na isante mwa benye murinyonaka. Wakati profeta ni mprofetizaka pale nje murinyonaka. Wakati ule mwanamuke alikuwa ndani ya maungu yangu murinyonaka. Mina toka kopitani pa kusebu subuhi mina vimba miwote. Mina sema buwanangu nyangaria mina vimba. Pa kusema kesho yake mina nenepa. Iyo ndonzio inafanya mambo. Yes sir. Chopale mina kwa kushukuru mungu wa Christian Jacob Kabamba. Miracle. Ni mungu munene. Miutisa. Ni wa matata sana. Miutisa. Sekurukwa mina kwa na umu. Miutisa. Mina kwa na umu toto mufile mirikuwa kana ile dani ya kufisha fisha. Yes sir. Wakati profeta rinyona mina chua shita fisha ten. Yes sir. Sekurukwa mina rena umu toto mumuanshi moya. Mina kwa kumulete mungu wa ubaba. Yes sir. Shina kia mupanga. Yes sir. Ile njina babake ripanga ni ingine. Na mimi na kwa kumulete mungu wa ubaba ya munyani pangie. Yes sir. Umu toto. Mwanyasha. C'est ça l'église. C'est ça. Apôtre Bigas. Si l'église ne répond pas aux besoins déjà de sa génération, cette église a échoué sa mission. LP. Daki Frank Kabe. Mambo hivi tukatali kusema évangéliste wewe. Apôtre Bigas. J'ai croisé un homme de Dieu, souffrait peut-être que je le cite ici, Musée Jamari. Il reste sur le Foy. Musée Jamari, il me dit mais au prophète oui, na yimirwa na kushingisha. Mais oui mutumishi oui. Non. Papa. Musée Jamari sur le Foy. Je vous dis Apôtre Bigas. Mutu wa hivi Dada, baraza mufinya kuntumbu. Mimba 11 mois. Apôtre Bigas, s'il vous plaît. Et puis vous allez dire que non, Ben parle trop. Non, Bigas parle trop. 11 mois. Nous, on nous a appris que Mimba a fait combien de mois? 9 mois. Mais yo, il a fait que 11 mois, bel et Dieu. Il a fait que 10 mois, Dieu. D'abord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on tient à nous dire ici à l'Ikasi des choses. Magicien, oh Moufou, apôtre, est-ce que magicien. Un magicien peut amener les gens comme ça ben. Koufoura ya Yvi. Je ne comprends pas, apôtre. Ata magie ya mou inde. Ata yenye ba magicien ba mou magie. Si les indiens, les chinois viennent chercher leur donction. Les chinois viennent chercher leur donction. Bon ba chinois ben yemale tout n'a Aba Jofa ndekelu andekelu. Daki Franka Bengeli. Ndekelu. Unyambie ben. Ata kama tunasema Job numéro ya mwisho hii ni maji moya ya mwisho. Si barata tutafuta kona ta conquérant par réseaux sociaux banasema mwingine ye huyu. I prophétie ya mwingine. Dieu envoie une seule personne pour chaque âge. Lisez l'âge de l'église. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Quand nous parlons de l'église de Philadelphie, l'église, et vers cette église du soir, la septième église, l'église de l'Odyssée, vous allez comprendre que l'homme dans son temps. Dans son temps. Et quand il déclare aujourd'hui, c'est Moutoto de terrain 1,
Vous savez ce qu'il y a eu? Souffrez peut-être que je dise le direct comme ça. Il dit à ses amis, il pompe pas. Autrement dit, Isaac a donc chacun a sa forme. Sa formule. C'est le niveau d'alliance que le prophète chrétien Jacob Kabamba a conclu avec Dieu. Pas expliquer le voyage. Moi je vais citer, je prends l'exemple de ma belle sœur qui ne prie pas bien sûr avec nous. Et Nanyambia dit, assez moi j'ai vu le prophète qui me délivrait la nuit. Quand Dieu conclut l'alliance avec son serviteur, ben, nous allons cesser de parler de l'eau d'onction. Chikule ma témoignage, j'étais chaque à me réveiller les rôles. Chikule ma témoignage, chaque à mon monde. Moïse n'a pas jeté les bâtons parce qu'il n'avait pas encore accompli sa mission. Des années. Bâtons. Il a utilisé les mêmes bâtons. Et quand, vous voyez, l'image d'en bas là, on fait voir le prophète, il rencontre là il faut louer le travail fait de notre régisseur, c'est Alexis Bombay. Là c'est l'image de Yabassé. Où le coach nous le Dieu Yabassé qu'on a mimba et comme combien de mois me dis moi l'apôtre Christian Jacob Kaba et comme mimba dis moi mais pas d'agitation, pas d'embrouillement, la tête il comme ne ça. Saute pas, il ne bouge pas trop. Là c'est l'image de Yabassé avec grossesse en face de l'original et l'homme qui avait la solution. Et voilà la même Yabassé. Tu reviens cette fois-là un peu aussi. J'ai beaucoup aimé l'image de ce bébé. Hein. Voilà. Et Yabassé revient avec les bébés dans les mains. Toi, tu es bantu baïché. Yabassé. Mimba, il fait 13 mois. 14 mois. Toi, tu le prophète. Bon, Paul a déjà fait son temps. Pierre a déjà fait son temps. Ou quoi que tu aies bantu angara si j'ai boulé fou, ça si j'ai à mémoire. Ah, papa. L'église n'a pas besoin d'une explication à massivisme. Non. L'église n'a pas besoin d'expliquer le voyage. Peuple de Dieu, où est-ce qu'on a souffert, nous, oui. Ce n'est pas le fait que tu es de Likasi, ou tu es de Kambov, ou tu es de Kakanda, que Dieu peut facilement te choisir et faire de toi Christian Jacob. Non. Quand il conclut l'alliance, ben je ne cesse de le dire, Dieu devint faible quand il conclut une alliance avec son serviteur. Et Dieu moi c'est la puissance de l'eau d'onction. Asema, quand elle a fait le lavement, Malama Mutoto, donc eau d'onction, je ne peux pas rester là-bas. Je ne peux pas rester encore ici. Je dois quitter. Et Bigas, pour bien le comprendre, fidèle téléspectateur, il faut être dans sa peau. Oui. Il faut être dans sa peau, dans la peau du nôtre, pour comprendre ce qu'elle traverse comme difficulté. Et c'est un problème d'alliance, l'eau d'onction. Et l'eau d'onction, apôtre, je me pose, là c'est le papa des pampers. Oui, comme papa des pampers. Qui revient, qui est là? Ça, c'est un culte de dimanche. Un culte de dimanche. Peut-être Bomba, il peut-être encore revenir. Le papa des pampers, là. Et quoi pour? Et quoi pour? Eh bon, bah, tu peux peut-être revenir. Allez, c'est Banakouya qui va venir dans l'autre. Il y a un peu d'administrateur. Donc, les papas des Pampers, là, où il y a Pampers, où il est venu. On a tout pas Pampers. Et c'est ça. Waouh, voilà, il est là. C'est ça, bon, bah, merci beaucoup. On peut arrêter par là. Où le papa n'a ma lunette? Où est-ce qu'il a ma lunette? Après, oui, papa, j'ai mis Janani. Voilà, le papa est là. Où le papa n'a Pampers? Il vient dans le culte de dimanche. Il dimanche. On pouvait dire non, mon nom a la fanchika, et c'est ça. Et puis, la personne qui vous dit ça, a maîtrisé le Lubumbashi bien. Il y a un peu de pareil, c'est fini. Mais il vous dit, je suis dans le Lubumbashi, on sait bien que le Lubumbashi coule la chikia, flan la chikirika, parce que le Lubumbashi, tout le monde regarde une étoile. Il s'agit du Dieu du prophète Christian Jacob Kabamba, apôtre Bigas. Où le tout, elle a fait au combat, ni chez Moutoumisho Mungu. Où le hôte a chiti qui alliance y a tisha na Mungu. Chez toi, on a eu le combat. Mungu, isha na y. Parce que, koukou mafuta yazamani. Mafuta yazamani. C'est comme aujourd'hui, on peut appeler Paul comme serviteur honoraire. N'est-ce pas? Oui. Un serviteur honoraire. Un ex, ouais. Comme David pouvait aussi appeler Saül comme un roi
un ex-roi ou bien un roi honoraire. C'est comme aussi les serviteurs qui ont précédé le prophète chrétien Jacob Kabamba. C'est vrai, ce sont comme les Tipi Joshua, les Renard Bonke. Ce sont les serviteurs honoraires qu'on a connus. Mais pour l'instant, Dieu revient avec une nouvelle version, avec une nouvelle application, avec un nouveau son. Et il incarne ce nouveau son, cette nouvelle application sur le prophète chrétien Jacob des Nations. Apôtre Bigas, je vous pose une question. Est-ce que un magicien peut amener les gens à la conversion? Mundoranzo futa tumbaku anata mwanao mwanamuki mwanaume anacha anata mwanaume mene mwanamuki anacha tumbaku na leo ule muntu ule anamini Mungu. Est-ce que magicien anaweza kupeleka muntu mutoshe kubia shetani ampeleke bia Mungu ou bien c'est comment apôtre? Ben, je vous dis, Dieu avec son serviteur, Dieu avec le prophète des nations aigle blanc, Dieu avec le prophète original, Dieu avec le cheval blanc, Dieu avec son excellence monsieur l'évêque chargé de développement. C'est lui à qui espoir tout chaque tourne quoi. C'est pourquoi nous disons donne la vie. C'est la seule personne formule il y a résolution il y a mambo à bantu. Il fallait Mungu achouche le formule mumuntu moya mutoto alikasi Christian Jacob Kabamba aigle blanc avec un son nouveau. Quand il prêche vous sentez que le cœur ben nous avons vu les orateurs tout non abantu bana ubiri mambo à Mungu mais quand Christian parle c'est comme si ce n'était pas la Bible qu'on nous avait présentée la fois passée. C'est un nouveau son. Il vous dit, peuple de Dieu, je ne viens pas vous flatter. Amuna bantu ba bantu. Je dois vous amener à la révolution de l'évangile. Je m'en bois mungu ila tukushikiyake. Et les gens étaient prisonniers. C'est pourquoi vous avez vu Tina Leo Bengine Bale Bekomi captivité. Et puis avec ça, on continue à enterrer et les gens continuent à mourir. Tout 35 ans. Apôtre Bigas, moi je me dis, une dame de 30 ans qui pouvait fumer et elle vient à l'église, le prophète parle. Il prêche, la dame est touchée. La sœur va utiliser, faire usage de l'eau d'onction. La formule. Et cette formule unique. Et elle prend l'eau d'onction. L'envie de la cigue, l'envie de la cigarette va prendre fuite. Ben, il y a un magicien ne peut pas faire ça. S'il y a quelque chose de très difficile dans la vie, il est facile de laisser l'impudicité. Il est facile d'abandonner les mensonges, le mensonge, les vols, les vols. Dans la cigarette, il y a un produit qu'on appelle nicotine. C'est un produit de la possession à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Et les gens disent que quand on a fait quand même 3 paquets par jour, quand on a quoi, on a diminué 2 paquets, on a un seul paquet du coup, et aussi quelques bouteilles, quelques tiges. D'abord, les dégoûts. Il est très difficile. Les laboratoires scientifiques ont du mal jusqu'à aujourd'hui à concevoir un produit qui peut donner le dégoût pour la cigarette. C'est un produit qui n'existe pas. C'est pourquoi vous avez vu, on avait attaqué l'ambassade qui produit de la cigarette. On a attaqué ces entreprises. Ils ont dit oui, mais nous, nous savons bien que ça tue. Mais c'est pourquoi nous allons écrire les tabacs tue, fumés et préjudiciables à la santé. C'est-à-dire, quand vous voulez prendre, soyez conséquents. Mais juste, je ne sais pas, il y a quelle formule. La puissance de cette alliance, l'eau d'onction. Cette même eau fait descendre l'enfant pendant que les médecins, pendant que les infirmiers n'ont pas su les faire. Les aides accouchées. Cette eau, quand elle entre, elle ouvre la voie et cette eau permet à l'enfant de sortir sans aucun secours. La même eau d'onction, oui. Aujourd'hui, fait à ce qu'un monsieur, beau comme il était passé, puisse enlever les pampers. En aille tout pas. La même eau d'onction pour un papa qu'on pouvait tirer l'eau d'onction, et plutôt qu'on pouvait tirer les urines, après une semaine, la après 2 semaines, urinaire. La rétention urinaire. Donc, c'est une eau d'onction double version. C'est le temps. Alors, apôtre Bigas, est-ce que, je reviens encore, est-ce qu'un magicien peut-il amener les gens vers Christ
Je ne sais pas. Et je dis que c'est faux. Un magicien ne peut pas le faire. On va partir en image, suivre qu'est-ce qu'il y a eu avec notre sœur. Elle a quel âge? Pendant combien de temps elle était en train de passer cet acte? C'est quoi au juste? Prophète original est en face de cette sœur. Suivons ça. Shukuru Mungu wa prophète Christian Jacob Kabamba kwa mambo mungana na tenda ndani ya maisha yangu. Nilikuwa mfungo wa tumbako pendant 26 ans. Nilikuwa nalia, nilikuwa najiuliza siku gani natoka mwa kufungwa, lakini niliweza kushindwa. Mama Manzuri ni mfungo wa nini? Wa tumbako. Pendant combien d'années? 26 ans. 26 ans. Na tangia sasa tulipanda kumulima tunakia shuka. Profeta anasema ile mzigo yote ulikia nayo hautashuka nayo. Kwani kupitia declaration na ordre d'onction niliambia Mungu sitakuwa mwanamke wa hai au kuona fungaraka tu mpaka mtumbako. Hiki kino linipa nilicho kuabudu haina juu ya kuadore tumbako. Lakini hapa niko nasema depuis tulitoka kumulima la 29 na leo si avuta tena na sisikia tena hamu ya tumbako. Maana niko namshukuru Mungu au baba ni wa matata sana. Yes. Anagusa jewa tumbako ndani ya maisha yangu. Est-ce que quelqu'un peut correctement acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ma soeur, binasema kuna tele ile odonction kuna. Amen. Prophète. Mon bien voisin c'est ma Mungu wa odonction. Mungu wa odonction. Je pense Mungu wa milima. Mungu wa milima. Mungu huyu. Kuna sema na wewe ulikuwa kumulima. Hivi unaanza 3 jours ya impactation. Amen. Kanawe mambo ilo na tafutaka kase to mama I odonction na kunwa tena. Amen. Utanza kino akiako kitanza pa kwa budu Mungu. Amen. Jerusalem. Kisha na kyote kilikuwa kya kufunga mu maisha yako kyote a partir ya leo bina se kifungoki. Amen. Jerusalem. Délivrance iko total mu ma domaine yote. Amen. Jerusalem. Merci. Mon bien voisin, c'est ma miracle, 26 ans. Miracle, 26 ans. Mais c'est 26 ans. C'est ça l'église. Apôtre Bigas, 26 ans. 26 ans. Je vous dis que la ville est calme. Je vous dis que toute la ville est branchée. Et il y a les gens qui le suivent même en dehors de la ville de Lubumbashi et plutôt de Likasi. Il y a même les gens qui le suivent à partir de Lucha, Lubusha, Luambo, Kakanda, Kambov. Il y a les gens qui le suivent à Chitourou, comme les frères, plutôt même vers, je le cite, les frères Bouteba Josué, qui est là, Spère Scotché, les frères Bouteba Josué, qui est en train de le suivre. Je vous dis, la ville est calme, apôtre. Et pendant que cet élément passait, il y a beaucoup d'appels. Beaucoup de SMS où les gens apprécient, ils adhèrent disent que, à la vision. En tout cas, le prophète Christian, il n'a pas ça. Tout le monde est moufetti. Vous êtes moufetti, baratupachakani, baratuatia, un mauvais vin. Comment on va te servir, mais. Donc ici à Likasi, on nous a servi d'abord un mauvais vin. Si tu l'as enseigné au Mouisho. Docteur. Il fallait que Mungu alamuje kabamba. Docteur, oui. Pour nous donner un nouveau son, un nouveau vin. Heureusement, nous sommes encore en vie. Malheureusement, quand on va rendre à Mungu et Mungu et Baba. Apôtre Bigas, une maman comme ça, moi, j'ai appris que les gens qui pouvaient fumer, c'était les hommes, les masculins. Mais celle-ci, à la couture, elle a mis sur Mungu. Le prophète, Hachimombe, elle a pu l'odonction. En y a mon alliance. Yemoya. Quelle puissance mouille odonction. Il n'a qu'à t'en acquis qui en pomme. Et le prophète dit quoi? Il m'a dit, 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 il m'a d
C'est ça l'église. Aujourd'hui, cette sœur revient, elle devient renouvelée. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Dieu m'envoie Mungu. Est-ce qu'un magicien peut-il amener les gens à Jésus? Donc, magicien, on fait tout hier sous campagne. Je vais te demander à toi comme fou, numéro 1, je te demande. Mais on ne peut pas être dans un coin là, dans une petite réunion, pour. Non, non, apôtre Bigas, c'est le temps du prophète Christian Jacob Kabamba. Il est dans son temps. Vous pouvez. Donc, c'est ça qui fait que. On est sur le pied à gauche, à droite, à bien. Mungo, je connais, j'attends mon doto. À ce moment, prophète, à bien quoi. Si un Chinois peut venir chercher de l'eau d'onction, Chinois, à ce moment, pardon, je touche ma caméra, je me délivre. Indien, à ce moment, je touche ma caméra, je me délivre. Ou le moyen, je me coûte à moi, Mingisan. Je ne sais pas si je suis un non, maman, motoka, tout ça. Non! Apôtre Bigas, aujourd'hui, à un moment donné, je me dis, Nyamini, t'es là? Pani Baptiste, t'es là? Mais maman, mon gars, je connais ce bichet à la boca. On n'avait pas connu ça. Les dimanches, 8h juste, un grand culte. Nous sommes au numéro 27 sur l'avenue des abattoirs au quartier industriel dans la commune d'Elikasi où le prophète Christian Jacob Kabamba en a sa balle par la mouke botte ma maca difficulté. Ma maca moi ya ma tes sur ma difficulté yote moukouyo kwa mungu. Moukouyo mungu ya mouniata jokipe na mouna kwa na kwa na imani yako. Oui dada prophète ashkou ma maca moi ya albeba tu odonksyo. Kama on appelle nambele ngere kou mouanzo mouanzo on ne vous permet pas peut-être tout matin motard, tout matin batoto comme nous sommes en train de voir beaucoup de gens sont en train de le faire. Madame nous a odonksyo à baba filmaki. Venez chercher votre odonksyo même si vous n'êtes pas dans l'église. Attends la fois que vous voyagez, on fait nos mouzambi, on fait qu'on n'aura plus. Kouyo tafta bouteille à quoi odonksyo, Dieu va t'aider. Apôtre Bigas, il ne sert comme ça. Est-ce qu'elle peut, elle peut peut-être venir exposer sa vie comme ça pour Dieu me partir prophète succès ou bien prophète me partir magouta Dieu quoi exposer ma échec parce que c'est ce que se disent un peu par les pharisiens dans la vie. Je prends à témoin l'honorable Marcel Nathan Eleka. Mm-hmm. Je prends aussi à témoin l'honorable Daki Franck Abengele. De telles choses ben ton bien est tout vérité. Mambo Mungu. Aina civisme. Maman Mungu, aina ça, on a expliqué Bantoukouri en français. On a expliqué Trigo. On a expliqué Babambe Bintoubimoua, Yvouna Algebra. On a expliqué les mots français sont polysémiques. Il y en a une étiquette, c'est les mots français sont polysémiques. Tchou, façon, les barans, ça, que tu expliquais Bible. Binécha, pas les tournées, dans Narodé. C'est pourquoi vous avez été inspiré, mon ami. C'est ma parole en pratique. Est-ce que cette parole-là, elle peut encore donner de l'assurance. Ézéchiel, moi, je suis dit, Ézéchiel, en Garia, je suis dans la vallée, où on a mon si je suis en train de voir les ossements desséchés, tous nous lisons la Bible, ou tous c'est Abana Pitaka, Banasema, Kata, ma versée, papa, comment on connaît ma versée, on a essayé de faire, tafuta kota mbele ya kubiso matena na tafuta muntu akukwankadre. Ben, je suis dit, ces ossements desséchés, pourront-ils revivre? Ézéchiel a dit, Boudje, Asema, Seigneur toi-même, tu le sais. Bah, tu ben afouta tumba, kuna mu Christ mu misa, kama na kona eko hypocrite ane kalaifi. Eko na pampers, a ouya se na pampers. Mais Dieu, j'ai un mouka organisateur. Eko na manchanjo mu kivuno, Dieu, j'ai un mouka président wa protocole. Dieu, j'ai un mouka président wa protocole. Kuchika kumbele. Ousso, on a mou faire respecter, tena mou kibake mou marenyo. Natcho, pana mou tuik. Mou na mouka, allez, président d'Aki, vous pouvez, vous avez la parole. Combien qu'on a mambo kuro bibi achizale batoto akababe qu'on a papatia mimbalo atini on a coulé ta solution mambo non ici chez nous c'est la parole. Faites attention dans la ville est envahie par des magiciens. Ah, des mercenaires, des mercenaires sont entrés où toi tu étais où pendant que ils vous vous accusez devant Dieu que mungu miri là là les magiciens sont entrés. Donc vous étiez détaché de la source. Dieu regrette de certaines prédications quand nous prenons parole. Dieu regrette. Wow, lui c'est lui qui peut me dire ça, c'est lui qui peut tenir un tel langage devant les enfants de Dieu. Angara babantu mina mutumia bakwe ba shike sauti ya mungu shike bileko na bambi. Dieu regrette au ciel, mais Dieu dit. Vraiment, j'ai déjà conclu avec un homme, Christian Jacob Kabamba. Il dit, Christian, malgré ce peuple, malgré la rébellion de ce peuple, je voulais agir. Dieu dit non. Si tu tues ce peuple, tu as une petite alliance, tu as une petite déclaration, tu as une petite déclaration.
Ben, je vous dis, là, il y a une diminution effectivement dans la fréquentation que Babinfoum. Quand vous prenez une telle dame, on a bien les risques qu'on a bien. Les féticheurs sont en grève déjà. Oui, en gré, ils risquent d'avoir bien encore. Parce que ils peuvent, les banque. Gens ne peuvent peut-être pas avoir encore confiance en eux. Oh, donc, ils si. Comprennent que Dieu existe déjà. Dieu existe, Ben. Dieu existe. Moïse en a bien bâton. J'ai aimé pasteur de Bora que je salue en passant. En a bien, c'est ma big sweet. Prophète, a touché mon ticket en état yaki. Ça, pasteur Deborah qui m'a dit ça, c'est n'est pas que mais qu'on a un bon moment, c'est idée qu'on a mis. Mon moment, tout mis qui chez qu'on a mis mon domaine, moi, il fait bicasse. Mon bon moment, il n'a plus les chituri yuaka. Mon bon moment, il n'a plus les chaku yua. Ville on a seulement expliqué bal. Paul déclare, Paul dit, regarde-moi bien. On a chez ma mère pas qu'à appeler bantou en arrêté. Bama hémorroïde, bana rudenayo, bama hernie, bana rudenayo, rétention urinaire, prostate. Pourquoi nous disons prophète des nations? Parce qu'il arrive même à déclarer des choses qui ne profitent pas aux héros, donc aux fidèles de l'église évangélique révèle héros. Il a prophétisé sur la carrière du côté Binamé, cela a eu lieu. Il a parlé sur Kamatanda, Léo, cela a eu lieu. À Kassoumbalé, il avait prophétisé. Quand il parle, voilà des bandits, tout ça, et cela se réalise. Il n'y a même pas un frère de l'église. Il n'y a même pas un frère de l'église. Il réveille les héros ou les héros et qu'on a un jour qui coule. Non. Mais il déclare, mais cela profite aux autres. Et aujourd'hui, la ville de Likasi est devenue féconde. Elle n'est pas stérile. La ville n'est pas stérile. La ville n'est pas ce qu'elle était. Quand vous prenez... Aujourd'hui, la circulation, Makuta Mubantu. Pas que... Bon, nous évitons seulement un peu. Question de publicité. Apôtre Bigas. Réagis. Apôtre Bigas. Moi, j'ai beaucoup aimé la sœur là qui pouvait dire... Asimil, tokakamina vimbasana. Mais pas les napoléons d'onction. Mina nenet. Qu'il t'y a dit, il t'en dimanche après. Apôtre, et aussi Dieu. Mungu, nous le monde est à ma présence. Ben, nous, quand vous venez de Rafikian. Oui, Ben. Tout n'a eu un à goler, tout n'a pas. Apôtre Bigas, Dieu dit, c'est Jésus qui dit, Fajre tout a célébré Pasaka. Nous sommes tous les découvrir Dieu. Jésus aussi voulait encore faire un déplacement. À ce moment-là, nous t'écoutons, mon amour, pour ne s'arrêter que par là. Nous allons parler parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, un serviteur original, fidèle et prudent de Dieu, il doit aussi faire de plus que ça. Il doit aussi avoir des précisions. C'est ça même le thermomètre d'un serviteur fidèle. Nous allons partir en image pour suivre ce frère qui a perdu. C'est un frère, c'est une soeur, je ne sais pas. Qui avait perdu quoi? Et par après, il a retrouvé quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons partir en image. Nous allons partir en image et voir qu'est-ce qu'il y a eu. On va prendre cet élément. Je ne sais pas c'est quel élément. Ou soit on va prendre l'élément du frère par rapport au boulot. Je ne sais pas ce que Alexis Bomba doit nous proposer. On prend d'abord ça et puis on revient juste après. Minona Motoka. Et comme transcend les cassis coloïsi. Et comme transcend les cassis homme de Dieu. Isté. Prophétise homme de Dieu. Immatriculé. 37 42 AN 05. C'est exact. Alors, j'ai vu, ce qui m'a intéressé, c'est le numéro du châssis. Prophétise homme de Dieu. Amen. NDP 60-00-72-137. C'est exact. C'est ça le numéro du châssis. Amen, 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 amen. Hey! J'ai vu. Prophétise, homme de Dieu.
Je disais NDP 60-00072-137. J'ai vu un mouvement qui se faisait. On voulait exploiter cette voiture. Prophétise, homme de Dieu. Dans le bandit mais armé. Prophétise, homme de Dieu. Et après, Dieu dit, en faisant de contrôle par-ci, par-là. Prophétise, homme de Dieu. J'ai vu, on est rentré, on a mis la main sur vous. Prophétise, homme de Dieu. Que vous êtes les commanditeurs. Donne la vie, homme de Dieu. Dieu me dit, prophète, tu vois cet homme, je le connais. Prophétise, homme de Dieu. C'est mon fils. Prophétise, homme de Dieu. Tous les jours, il est dans ma présence. Prophétise, homme de Dieu. Et cette voiture n'a pas plus de 2 mois. Exactement. Et cette voiture, c'était pour essayer de vouloir équilibrer la situation. Prophétise, homme de Dieu. C'est exact. Au niveau de la maison. C'est exact. Au moment où je te parle, je vois un ange des cieux. Prophétise, homme de Dieu. Amen, je reçois. Qui vient de localiser cette voiture. Amen, je reçois. Dieu me dit, prophète. Oui. Cette voiture, elle sera retournée au frère. Amen, je reçois. Et déjà, pendant que je parle, Dieu vient d'envoyer les paix-sœurs célestes. Amen, je reçois. Ils sont allés chercher cette voiture. Amen, je reçois. Et on va arrêter les gens qui utilisent cette voiture. Amen, je reçois. Et Dieu me dit, c'est de cette façon-là que tu vas retrouver la voiture. Amen, je reçois. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, là, c'est même le numéro. Il y a châssis. Quelle précision. Mungwa ma précision. Mungwa bia kweri. C'est ça l'église. C'est ça le prophète. C'est ça le prophète. Pasteur bia kweche kakala la gabi. Il y a beaucoup de SMS. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous envoient les SMS. Vous êtes nombreux à nous écrire. Vous écrivez sur WhatsApp, vous écrivez par notre numéro qui est affiché. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mais, apôtre Bigas, Mounto Aïf, elle était la précision. Ma précision à ma châssis. Mais tout le monde, ma bloge, Mounto, elle est la bloge. Mais à chaque fois qu'elle n'a pas fâche. Mais il va vouloir. Non, on va critiquer. Non, on a dit. Mais on ne sait pas qu'on vit avec qui. Bas niveau. C'est pourquoi. Relevons les débats. Likasi, relevons les débats. A tout maintenant, il est niveau, il est tout chopita. Tout comme au stade Nguine. Bandouk. Tout comme au stade Nguine. Ailleurs. On n'a pas ta prophète ça où dans les pays anglophones pas papa moko na fieri likasi mujima munasema huyu ni wetu aina sema ni mtu apaze paka wao ni patrimoine privé non ni wetu uko na wewe mule munyumba uko mlonse ya Mungu Mungu merci ndio kututumia za mtumishi wa hivi parce que quand tu as un problème banduko ana tena mambo haya tuambiane vérité ana tena mambo haya buka bunakachika beba kwa utafute butai donc sio hata kama ukale mkilite matinal shimama tu pa mlango ba pote abata kufilme beba butai c'est 1000 francs qu'on vous dise la vérité parce que 1000 francs on a sa bouteille à quoi 1000 francs 3 000 $ il faut égaler ou t'as comparé à 1000 francs 3 000 $ monde en a voyagé en a moyenne en a moisi bah moutouche pampers bah naïtouche bah n'a pima tour à kwanza bina brrrr bah tu ben a toka mon australie bah na kouyom fécondation in vitro monde en a toka mon suède monde en a quoi t'as fait mamba mou iyo donc soit in a toka mon croisade ben Muzungu inafua commande par WhatsApp. Ase munitumie fard. Yao donksyo. Mo Australie. Australie a inamu. Là, nous sommes en train de saluer le travail de, même de, du berger John qui était apte à ses services. À ses services même pour, vous avez envoyé cette eau à Mujima. Oui. Nous devons le dire ben. Tout à fond, tout à l'heure. Je vous dis, quand les gens appellent, les gens nous ont appelés de Kinshasa, on a envoyé. Les gens nous ont appelés en Afrique du Sud, on a envoyé par I.O. Donc, c'est Moya.
appartient à un numéro. Tu m'y attends de quoi que tu fasses chicane. Akuye ku Mbujimayi, akuye ku Kinshasa, akuye ku Bakongo, akuye wapi odonkso ku natenda. On a vu le prophète baratafuta odonkso, banatumia muntu ku Cape Town, banamutumia muntu ku mu Rwanda, banamutumia muntu mu France, banatumia muntu mu Suède. Qui dépasse aina na ma limite, aina na besoin il peut passer et pour visa. Mode d'emploi, ni wa moyi. Mode d'emploi ni wa moyi. Comment on a tafta pour Zampang? Numéro à châssis. Maintenant, allons maintenant avec le prophète. Numéro à châssis. Bene comme le prophète est à Ibamba. Dieu. Ah, Imambo. Mambo Munguya. C'est ça là. C'est ça l'église. C'est ça le prophète. Bandoku. Kama tu na sebi ntubi aivu, una shikia buchungu. Uya se kwenga, uko na semansa shetani, uko na shikia turuwa sema. Mepua, una shikia tu bibaye. Ntuku, fanya repentance. Mambo aivu, bandoku, u profete, ni profete de nation. Ata uko mkominote ingine, kuya na fieri. Ifo na shimama kumbele, ata uko mumisa wafanya nzambi. Shimama kumbele, wese, nous sommes bénis. La RDC bénis, pour avoir je un vois, prophète comme celui-ci. Je vois les gens, avant d'aller travailler ailleurs, anakuya banampachia fard, yao donksyon, il part. Et nous avons des témoignages. On ne peut pas peut-être les dire ici. Nous avons les témoignages. Nous avons donc ce bateau de boto moulango en abamiami à bout. Quelqu'un qui prend l'eau d'onction, anakuna bouteille d'eau d'onction moi, mutoto moi banao. Un mariage. Anakuna epi, mungina banao. Anakuna ingine, mungina naowan. Mutaoliza taye mwenye prophète a combien c'est ça? Même le prophète à un moment donné, il ne comprend pas. C'est comme la sœur qui avait voyagé na badge. Où elle a voyagé la badge, je passe pour laquelle lui-même là, lui n'a jamais voyagé la badge. Le prophète lui-même est qu'on a visé, elle a passé pour laquelle, n'a pas ma visa. Avant de partir, elle a préparé ma papier avec le ministère. Mais une sœur, en a pas manini badge. Alors l'homme, alors manini, l'homme passeport, en a pas, elle a pris. Passeport est encore yoyi. Alors que le prophète, à un moment donné, puisque nous dépassons naïmo, Dieu m'envoie Mungu alliance. Ben, Dieu est faible quand il a déjà conclu l'alliance avec son serviteur. Les dimanches, oui, Juma, dimanche, ni maman Moulikasi. Kesho, mais le culte matinal. Kesho, culte matinal à Kesho, à base de filmer, à cause de la caméra, Kesho, Busubui. Mais dimanche, 8h juste, comme on voit, il y a un embouteillage miracle. Il m'a beaucoup de télévision, tout le monde a katakata à ma bintou. Comment on appelle à vivre en life? Il est membre à Zaman, il est fanchikaka, ou un ami à tout quoi qu'il y a. Venez à l'église, tout par numéro 27, sur l'avenue des abattoirs, au quartier industriel. Et ceux qui partent aussi à Lubumbashi, peut-être on a qui met ma caméra, on me pas chakouyou. Tu peux aller à Lubumbashi, nous sommes au numéro 44, sur l'avenue du cuivre prolongé, au quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi. Il est le Lubumbashi. Bantou, t'as écouté la bantou, t'es dans Mbalabal. La grande église à Lubumbashi. Alors, Tukutane dimanche. Apôtre Bigas, nous allons partir aussi en image. Un prophète de Dieu. Nous allons partir avec Bombay, ce jeune homme qui fait aussi un travail de qualité. On prend cette image et on revient juste après. Frère, ça. Oh papa. Mona matoto ngapi? Patoto 7. Patoto 7. Ndio papa. Paka na huyu mama. Eh? Paka na huyu mama. Huyu. Paka huyu. Ah? Ni mama wa muyombe wangu. Mama muyomba yako. Papa. Dada. Habari. Mzuri mama. Mzuri mama. Eh. Bon, mzuri. Mungu. Yes sir. Niko na ngiza mwana zunguluka munyumba. Prophetize comme de Dieu. Unasema mashiko kwa mkongwe hii. Prophetize comme de Dieu. Kivuno yako tena rianza mambo. Prophetize comme de Dieu ya kweli papa. Kivuno chako hiki. Ndio papa. Kirianza tena maumivu. Ndio papa, madhuleri na mumkulu ya nguvu sana na baba na kumkulu yako. Ya kweli papa. Kisha na kazi yako bana uwayo. Prophetize comme de Dieu. Bana uwa kazi yako. Ya kweli papa. Hah? Ya kweli papa. Urienda kapi? Misi yo papa wangu mimi na mambo mgazi papa. Urenda kapi? Mimi kwa pale papa. Ah? Mimi kwa kutu papa. Misi kwanza kukona? Mimi kwa kutumia zako yetu mimi kalitu inja papa. Misi kwanza kukona. Ndio papa. Ah?
Mama, ikaji ya bwana kwesi alabike. Prophétise, mina mbona kuna problème ya nguvu sana kwa kazi. Mimi na baba papa, bwana ni teke si joto ndiko nana. Na bwana siku mwingisha atakubuloko ke. Mais minu na geuza i parquet. Amen, je reçois. Ole kukweka ku parquet. Amen, je reçois. Mina mama, sema kaji ya bwana ngu ikwe waji. Kaji ya bwana ngu ikwe waji. Voilà, sema ta muchiluba. Mudimo aba yani igala toka. Ah. Ya! Sema je récupère. Je récupère papa. Je récupère. Je récupère papa. Frère, vendredi konyone chez mambo itafanika. Amen papa, je reçois. Bila sema Mungu akusaidie Mungu akutunze. Amen, je reçois. Ni wetu prophétiser mercredi. Joe vile papa. Joe way. Joe mie papa. Wao mambo akaji. Joe mambo ya kaji papa. Joe way. Joe mie papa. Utone chez mambo. Mungu anasimamisha bloku bote papa. Papa, ujini zambi wa makanda. Una Mungu wa nguvu. Ujini zambi wa makanda. Una Mungu wa nguvu. Njingambe ni singika. Una mtu juwela kupata kwa yeye uzambi. Asema kuna Mungu kumanya chije uzambi wa prophet Kisaga Bamba wenzetu. Asema si habari kukomprende kile Mungu wa Christian Jacob kama mimi kunafanya. Dabor zambi mwani kuimanyika chilumbu cha buloku kufuyua amba. Mungu anasimamisha mambo ya prison ile aranza kusema. Ndio papa. Na niko naona kesho baratafuta kukweka ku parquet. Prophétise homme de Dieu. Mais minu na geuza i parquet. Amen, je reçois. Ole kukweka ku parquet. Amen, je reçois. Mina mama, sema kaji ya bwana ngu ikwe waji. Kaji ya bwana ngu ikwe waji. Voilà, sema ta muchiluba. Mudimo aba yani igala toka. Ah, meme mwabe uni makanda. Mi huyu niko hapa na nguvu. Ah. Chilumbu cha mujumu kafu muima na papa. Leo waje tano mkafu muye bwa baba. Mambo ya gaji ilikuwa sha kushimama. Leo vendredi mirienda. Bambi bwa nyuju banga mujumu lelo. Asema mimi naanza kazi leo. Ah. Miracle! Miracle! Yes sir. Samba réveillé le roi. Terrible. Asala kanao. Samba kabamba. Asala kanao. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Qui mon nom est? Mamba mungu adakweli. Hey. Papa Kaba Mumpando Munafata, c'est ça l'église. C'est ça. C'est ça l'église. Apôtre Bigas, le prophète a déclaré prison en échange dans mon cage. Ah, papa. Est-ce que. Il m'a envoyé. Tu entends aussi. Mais parfois, Chiako, Munafata Bintu Biaif, parfois, Chiako, ou Chiako Ikala, dimanche, tu n'as qu'un délai. On n'est pas fâché, hein. Mais Royako. Icône sur des abattoirs numéro 27. Où que tu ben akona tu ni présence physique. Apôtre Bigas, nous sommes obligés d'arrêter. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un SMS à Sema. Oh donc si on y est, pas là ton baki na mouye, à tout homme na mouye, mis à mouye. Comment on peut trouver l'ordonction? C'est facile. Ou qui couille n'importe attaque ma homme baki mon église évangélique réveille le roux. Puis pas capa numéro 27 ma vieux des abattoirs ou tingia ou lisa n'importe qui bata connexion couleur nos obéba. Oh donc si encore on attaque, on ne va pas t'obliger ou calmer le homme. Tu peux prendre l'ordonction, on enda on endelecha on a fait mon banque. Venez chercher l'ordonction à l'église évangélique réveille le roux. Il n'y a pas de problème. Apôtre Bigas, merci beaucoup pour ces analyses aussi trop directes. J'ai dit merci. Je salue la famille de pasteur Kala Labiakouji qui est aussi Daki Franck qui veut déjà prier parce qu'il attendait cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes obligés de dire aussi merci à Alexis Bombay et aussi à José Manchuma Piema et au prophète Christian Jacob Kabamba qui nous suit à partir de quelque part et à la grande équipe autour du prophète Frère Paulin, Frère Cédric, les frères Nono. En tout cas, sentez-vous salué dans cette émission. Je vous retrouve dans un prochain numéro pour l'instant. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Christian Jacob Kabamba est l'homme à qui le Seigneur a confié la mission de réveiller les héros en référence des Joël 3:9 qui stipule ce qui suit. Publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre.